Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Pinkman pour un nouvel épisode de Donjon de Nahulbuck. Un épisode, vous voyez, avec une petite photo de famille incroyable où je vous ai mis les beaux gosses devant et bien sûr on a caché le nain qui pue. Voilà. Mais qu'on voit quand même, parce qu'il est trop gros le nain qui pue. Avec son épaulière d'ours qui est trop stylé. Voilà. Et le voleur qui est littéralement devenu translucide, c'est formidable. Let's go! Donc on descend dans la crypte pour aller casser le cul au vampire, à la comtesse. On va lui péter les pattes arrière. Et ensuite on va la pioter avec son bout de bois blanc là. Mais pourquoi je suis à peu près sûr que ça va pas tout à fait se conclure comme ça? Après ça va peut-être se conclure comme ça. C'est-on trop jamais. Des murs de cailloux. Des cailloux, mes mortels ennemis, tout ça, tout ça. Ah, les lance-quenets de l'enfer. Voici le passage qui mène à la crypte. Parfait, allons-y. Je ne pourrai pas vous accompagner, mais je resterai ici. En cas de problème, je vous apporterai soins et potions. C'est gratuit, au moins. Non, mais nous pratiquerons un tarif à prix coûtant. Ouais, faut pas nous entuber. Ah, c'est un marchand. Ah, c'est un marchand. C'est long. Enfin, c'est une auberge. C'est un lit, le gars. Le gars est un lit. Non, ce que je voulais voir, c'est notre inventaire. On est bon en termes de PEV. Et du coup... Genre, même là, je passe. Tiens donc. Eliphas engage des clochards maintenant? Je suis un barbare, pas un clochard. Ha! Aucune différence. On va te l'enfoncer dans le cœur, la différence, sans sublaferde. Je vais vous transformer en zombie balayeur. Même votre sang est indigne d'être bu. Ah oui, eh bien moi je ne suis pas concerné. Qu'est-ce que tu dis de ça, monstre? Ne regardez pas ses yeux! Elle pourrait nous hypnotiser! Je regarde pas ses yeux, par chrome. Moi non plus! Mais quoi? Vous regardez ses pieds? Non, c'est... plus haut. Assez discuté, mortel. Votre sang ruissellera dans les caniveaux. Bah déjà, je saigne du nez. Ok, ça fait un paquet de sbires quand même, hein. Vu quand j'ai vu les premiers sbires, je fais « Oh, ça va, Imhotep !» J'ai vu l'autre paquet de sbires, je fais « Oh, ça va pas, Imhotep !» Et très probablement qu'elle va nous invoquer d'autres... Ah, des cracheurs de glaire, non mais des zombies... Il va falloir quelqu'un pour gérer le bac, hein. Ouais, tu vas venir, seigneur des voleurs. Ouais, non, c'est bon. Ouais, tu prends celle-là. Et hop, la fillette, on va la mettre. Ça s'empoisonne, je crois, ces trucs-là. Ce qui est une bonne nouvelle. Prends ça, fiente de boule asthmatique! Empoisonné, excellent. Cerveau! Une flèche ultra puissante. Elle est ultra convaincant, la flèche ultra puissante. Mais c'est vous! Prends ça! Méchant! T'as pas très fort, même ça, on a beau faire ce jeu. Pour la horde, je sais pas trop ce que ça change pour la horde, mais ok. La boule de feu, c'est assez convaincant aussi. Hein. Boule de feu. Clément. Ah, la portée des crashers, hein, vraiment, c'est un délire. Tout
nous montent une équipe de rugby, ils font quoi? Tout cassé. À boire. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Ok. J'ai envie de dire très joli pack, mais j'ai envie de dire que c'est insuffisant. Je me suis fait salement refroidir avec mon barbare. Intéressant. Un nain, certes, c'est bien, c'est petit, c'est bourrin, tout le monde adore. Oh bah tu sais quoi, hein, je vais me mettre une chip de Gurdil. Hein. Quoique. Une tornade façon Gurdil. Ouais, ça tornade mais... façon Gurdil. Et ben ça va être, je pense, grand temps de disparaître. Non, avant ça. Ah non, il faut que je disparaisse. Allez. Je ne suis pas là. Ouais, où que je passe, tout le monde me voit. C'est vraiment. Il n'y a pas une place où ça passe, quoi. Si je passe là, lui me voit. Si je passe là, lui me voit. Si je passe là, on me voit pas. Si j'arrive là, on me voit pas. Ok. Déjà, est-ce qu'on peut lui donner un sursaut d'actividad? Ok. Maintenant, est-ce que tu veux bien, genre venir là? Personne ne te voit. Excellent. Je vais geler le nain avec, mais tant pis, hein. Là, c'est trop beau. Ils ont un troll des cavernes. Ils ont tous été amochés. Je vois pas trop l'intérêt dans. Ah si non, il a pas été amoché. Ok, il y a tous ceux qui ont été gelés. La turbo gifle de Namza. Non, le tourbillon de Waza. Il s'en prend plein la gueule, mais c'est pour le meilleur. Hein. Pour de préférence le moins pire. Hop, tu la vois ma capuche? Ceci est esquivé. 92 dégâts, t'es quand même fort les mecs, hein, quand même. Ils rigolent pas. Wouah, un midlife direct. Vous prêtez le dos à la convoitise. Regardez mes yeux. Non, mes yeux. Ah, vite.
Ok. J'en ai un qui est revenu. Ça distribue des gifles. C'est efficace. Place un ogre. Salut, là. Je suis le ranger de Loubet. Ok. C'est très très embêtant. Parce que si je quitte le corps à corps, je vais me faire embrouiller par une sorcière. Est-ce que une petite rafale assassine là-dedans? Non. C'est pas convaincant. La mort frappe sans bruit. Ok. Ok, ok. Bon, faudrait que le nain ait des givres, hein. Ça serait quand même pas mal. Effet enflammé, empoisonné. Ah oui, non, il ne dégivre pas les gens. Je manque de capacité à dégivrer. Par contre, je manque pas de capacité à faire des dégâts aux nains. C'est vraiment très spécifique. C'est très tentant. Et je vais aller supporter le nain et je vais aller le soigner ce coup-ci. Ça, prochaine fois qu'il dégivre. Ah ouais, il a tellement PV, le pauvre à soigner, ça prend une plombe. Ok, let's go soigner du nain. On n'arrive même pas à le remettre à fond à deux. Oh la misère. Les vampires au hasard, je dirais que ça aime pas trop le feu. C'est vraiment au hasard. Aïe 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 aïe. Pas bon ça. Si fort les cons. Est-ce que je ferais pas une morsure du serpent sur un truc absolument infâme, genre un truc qui fait très mal. Je sais pas lequel a pas encore joué. Ça c'est lequel? Ok, c'est lui là-bas. Et ça c'est lui. Ok, donc lui il a pas encore joué. Donc est-ce que lui c'est pas le moment de lui dire d'aller se faire voir? Ou de le tuer tout court. Y'a que ça qui le one shot. Allez, one shot le. Deux attaques. Putain, la salope. Excusez-moi. Mais quand même, la salope. Laisse-moi deviner, t'as une mise à jour de truc. On va essayer quand même. Et paf! Dégage! Esquiver, évidemment. Quoi, la création de bière? 5 de quoi, j'aurais moins 3 de force. Ah oui! Ah oui, ça bourre. Ça bourre, hein! Et la secousse des bois. Essayons. Et elle est pas tombée, cette conne. Bien sûr. Un petit troll au contact, un petit ogre, excusez-moi, au contact.
Donc je l'ai pas eu, j'ai pas réussi à la repousser. Repousse là. Là. Oh, jolie molestation policière. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire que c'était beau. Tiens, vas-y, mange ta grenade de feu avec ton petit pote là à côté. Hop là. Ah, comme ça tu prends des dégâts de feu, ça m'arrange très bien. Prends-toi un tranche tendon. Ah, bah non, ça l'a pas pris. C'est un peu dommage. Ogri est trop fort en esquive et en précision au tir. C'est une dinguerie, le gars est trop agile. Tu la vois mon énergie astrale, non? Ah, ça secoue un peu fort. Faut commencer à faire des vraies actions concrètes. Hop. Je suis vivant. Tac. Je vais venir placer par ici. Me voilà. Ah, tire sur la sorcière. Ah non. Tu m'attrapes pas, nananère. Allez, respecte ça. Ton cou, vite. Alors ça c'est formidable. Son échec critique hein, est formidable. Alors un lancer de nain ça serait magnifique. Mais alors sur qui? Sur quoi? Oh, j'ai pas trop idée. Je suis pas hyper inspiré sur le lancer de nain. Il y a beaucoup trop de gens dans la maligne de mire. Je pense qu'une bonne gifle. Enculé. Ouais. On va te replacer là. Il y en a qui vont devoir commencer à prendre des risques. Elle, elle a plus de 2 PV. C'est les derniers à jouer. Le barbare, il rejoue là-bas. Je vais aller remettre mon barbare d'aplomb. Ah, punaise! J'aime pas les trolls! Hop. Remets-moi, remets-moi ce truc-là en haut. Ça va, j'ai soif. Voilà. Il est toujours pas levé, lui, c'est un problème. Du soin et de la régénération magique, c'est pas nécessaire. Et hop, vas-y. Je t'aurais bien dit de jouer à la savonnette, mais... Allez. 45 de soins sur toi-même. Avec de la magie. Et oui, comme ça c'est très bien, tu bouges pas d'ici, c'est parfait. Une potion de soin sur toi. Ça me rappelle les cours de potion avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Professeur. Je vais pas te tirer dans le dos des nains. Tout cher ça, non? La vie à terre, ça coûte cher. Encore au sol. Le nain, si tu bouges, t'en prends une. Par contre, ce que tu peux faire, c'est soigner le ranger qui est en train de prendre un tarif monstrueux. L'ogre, je peux me lancer un nain. Excellent, c'est parti. Chrome sera content. Ah
Pour bien le lancer dedans. Fait tellement le taf. Je sais pas qui peut se faire empoisonner par qui que quoi donc où, mais Je ne suis pas là. Alors, non. C'est dommage qu'en furtif, le jeu propose pas automatiquement, voilà, de venir faire des dingues comme ça, là. Bon, c'est peut-être un truc à régler que j'ai pas réglé. C'est un beau massacre. Eh bien, c'est un ranger. C'est le retour d'un ranger. Tiens, toi... Ah bah, j'ai pas réussi à l'assommer. C'est un peu con. Face au troll, hein, c'est lui qui va taper le plus fort. Soigner, ça me paraît être une évidence. C'est content, même si on se cache pas qu'un barbare au loin est pas frais du tout. Mm-hmm. Et je t'aurais bien fait fuir. Genre, je t'aurais bien fait fuir. Fuis. Certes. Crève, en fait. Clément. Sans mère plus avec cette vampirette. Ah la con, elle est refroidie. Problème réglé. Pas se décoller de mon voleur. Ok. Le nain, renverse-moi ça. Bon, tu l'as renversé un peu fort. Mais ça compte. Non mais en fait... tue ce gars-là. Putain mais est-ce qu'il fout tout ce con? Tac. On pourrait le scotcher ici, mais est-ce que ça a vraiment d'intérêt? Je ne pense pas. Ça c'est quoi? Une attaque à distance qui fait regagner un point d'action au voleur s'il achève la cible, ne met pas fin à la furtivité. Ah, c'est vrai que j'avais oublié ce détail. Fort intéressant. J'aime bien c'est que le carreau est réel. Ok, soin sur toi clairement. On a un barbare qui a pris un peu tarif. Et tu vas rester là pour l'instant, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Toi, tu peux rien shooter, t'es trop loin. Le prochain à jouer c'est l'autre petit con. On va essayer de se le faire. Hop. Avec une flèche de base, ça passe ou pas? Non, bon, on va mettre la max. Hein. Il y a vraiment que cette compétence qui est intéressante. Tout le reste, du coup, est un peu inintéressant. Je cache pas que. Voilà, triple flèche quand elle passe, c'est pas mal. Hein. Mais c'est pas non plus. C'est pas non plus la folie, quoi. En vrai, on pourra aller se soigner, mais je peux aussi mettre la max. Enfin. Je pourrais penser à nous soigner. Je peux aussi mettre la max à ce gros tas là.
Tac. Tac. Et non, tac. Ah oui. Et tac. Pas rester sur contrôle, sinon ça marche pas. Tac, une bonne baston dans le dos. Un tir d'arbalète de nain. Et ça meurt. Oh, il est pas mort. C'est ouf. Un lancer de tête de... Le classique. Attention, maître sniper, c'est à vous. Meilleur sniper du monde. Triple. L'ogre gagne un niveau. Le barbare gagne un niveau. Le nain gagne un niveau. Le ranger gagne un niveau. La magicienne gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. Le voleur gagne un niveau. Vous savez que j'avais même pas fait attention qu'on reprenait de l'XP. C'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Anneau des brumes vampiriques. 45-60 dégâts. Débloque une compétence qui inflige des dégâts au corps à corps et redonne autant de points de vie au porteur. Mais c'est d'une violence sans nom. Mais c'est d'une violence sans nom. C'est formidable. La vache, on en a bien bavé contre ce vampire. C'est vrai. Mais c'était assez motivant, en fait. J'apprécie toute cette tension et cette violence. Et encore, elle était seule. On n'était pas censé utiliser les trucs elfiques. Les selles de Grimed ont besoin d'une source lumineuse naturelle à amplifier. La lumière magique ne convient pas. Il y a toujours un truc qui merde avec la magie. En tout cas, mieux vaut trouver le moyen de s'en servir pour venir à bout des vampires. Oh. Certes, mais ça lui a pas empêché de se prendre une bonne raclée. Si ça sent, c'est mes bottes. Ah ça, on se doute. L'adresse de la force, moins de protection, 5 de force. Alors ouais, le truc c'est que lui remplacer un de ses anneaux, c'est vraiment lui enlever un deux peceux. Il a déjà un deux peceux de dingue. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Ça s'équipe pas, ça c'est ok, ça n'a aucun intérêt. Sur qui j'aurais intérêt à infliger moult dégâts assurés au corps à corps? Et je pourquoi donne pas rien le nain à personne. Et pourquoi pas le nain? Et pourquoi pas le nain? Pas mal. Je peux en avoir un autre. Le nain vampire. Moi, je valide. Je valide tellement. Se faire c'est les poches bien. À soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Notre ami le voleur, il lui faudrait vraiment une ceinture de casque. C'est vraiment une tristesse qu'il les ait pas. Du feu, s'il vous plaît. Hop. Ok, parfait, impeccable. J'ai des noisettes pour les écureuils. T'as plus rien, toi, exceptionnellement. C'est fou. On va te remettre un brocoli. Ça me fait plaisir. Je suis sûr qu'on doit encore avoir une fleurette à la con pour te faire plaisir. On a encore combien des fleurettes à la con et des trucs pour lui faire plaisir? Presque plus rien. Hein. Truc d'elfe là, tes elferies, il y a presque plus. Hein. Vas-y, emplacement 2. Notre ogre, il a tout. A tout, impeccable. Et hop, emplacement. Parfait. Alors ça, c'est pour retirer l'état enflammé. Mais est-ce que j'ai quelque chose pour retirer l'état... L'état givré, quoi. Est-ce que j'ai un dégivrant? Est-ce que... potion de mana noire... élixir de l'oubli... Clé du jardin caché, ok, intéressant, hein, mais... mais il n'y a pas ce que je cherche, quoi. Il n'y a pas ce que je cherche... Carte de la bibliothèque des savoirs oubliés... Incroyable. Robe de l'archimage Tolsadoum. Putain, on les a toujours qui se baladent. Et ben non, j'ai pas. Je peux que guérir l'état enflammé. Ce qui m'intéresse pas de ouf. Je dirais qu'un brocoli qui enlève, qui guérit l'état empoisonné, est plus intéressant actuellement en l'état. Voilà. Ok, ça c'est le coup. Je sais même pas si on a gagné quelque chose d'intéressant, mais on va dire qu'on s'en fout. Parce que c'était forcément inintéressant. Des cercueils, ok.
On peut y aller en avant Guingamp. Hein. En avant Guingamp, bien que ça fasse 30 minutes et que je pense que c'est un combat largement suffisant pour un épisode, je vous remercie, c'était Knarkfonction comme d'habitude Gaming et je vous dis à la prochaine. Bisous.